Encore 20 ans pour la peine. Descends, mais toi tu vas aller derrière, voilà. Tout est calculé les mecs, ne t'inquiétez pas. Vous êtes professionnels. Ouais, du feu derrière. Attends, ça crame là. Ah, ça crame. Ouais, bah ça c'est ton problème ça. Mais pourquoi ça crame? Mais je sais pas pourquoi ça crame, moi je sais pas moi. Ouais. Il y avait un briquet dans le cul du mec ou quoi là? Allo, salut malheur, Kwam. Allo, Kwam Salem, ça va ou quoi, Roya? Ça va. Oh, je t'entends bien. Ouais, je suis au casino, Roya. T'es au casino? Ouais, je vais jouer à la roue, toi t'es où? J'arrive, tu veux, vas-y, je vais au casino, Roya. Oh, ça me fait plaisir. Wesh, c'est quoi cette dégaine? Mais qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Terrible, hein. Wow, t'as une nouvelle... Oh, mais t'as fait un outfit? Ouais. Mais non, les gens avec... Bah là là, les Air Max, Air Max, TN. C'est stylé, non? Ça fait une mec de hood. Bon, allez, vas-y, on va faire la roue du haram. C'est incroyable. Vas-y, vas-y, go. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mais c'est des gringoles. Des bons d'achat. Oh, pose-toi, laisse jouer les riches. Ah, j'ai passé le jeton, Peter. Moi, je vais jouer. Je suis ravi. C'est parti. Alors, acheter des jetons, je vais prendre 1000 jetons pour... Ah. T'as pas de thune, hein, clochard? Un bon fourrière, un bon LSHD et un bon superette. Je suis ravi. Mais quand même. Poussez-vous, laissez le boss tourner la roue. 3, 2, 1, bismillah. Oh non, c'est un voilà. Petit bon d'achat qui va faire plaisir. Attention, une voiture. Oh, oh, oh. Un bon d'achat. Oh, 24 têtes, ça va, c'est Stonks. Oh, la chance. Merci, Roya. T'as de la chance, Roya. Oh, t'as vu, il y a des bikeuses. Je les aime pas, eux. Ah bon, pourquoi? Viens, on va leur parler. J'aime pas les motards tout le temps, il faut. Comment c'est, il faut. Viens, on va leur parler. Tout le temps, ils se plaignent et tout. T'es now. Bonsoir monsieur. Ça va ou pas les motards? Tranquille. On se demandait en fait qu'est-ce qui se passe ici, c'est un rassemblement, y'a quoi? On regarde juste les motos devant. C'est trop stylé. Non mais les bâtiments derrière c'est quoi? Je connais pas en fait. Bah c'est notre club. Ah oui non, à l'époque, je me rappelle. Et je peux rejoindre votre club? Comment il s'appelait? Non. Ok. Eh les gars, vous participez à la course de ce soir ou pas? Non, il me semble pas. C'est à quelle heure? Il me semble que c'est à 23h. 23h? Ouais. Oh ouais. Y'a Tobias ici présent là, mon ami, il m'a dit il aime pas les moteurs et je sais pas pourquoi, je comprends pas en fait. Par contre, qui monte pas sur... Excusez-moi, oui pardon, et Tobias qui est quoi? Tobias, pourquoi t'aimes pas les moteurs, tu m'as dit? Ah non, j'aime bien les moteurs, mais ça dépend parce que voir des vidéos des moteurs, tout le temps il faut hey oh hey, alors qu'il y a rien. D'accord. Voilà. Ah ouais, j'avoue, non, mais... c'est chiant quand ça fait hey oh mais... pour rien. Mais moi j'aimerais bien devenir un moteur s'il vous plaît. Bah moi aussi en vrai. On aimerait bien vous rejoindre en fait. Voilà. Ça va être compliqué, mais si vous voulez, il y a les Wild qui recherchent. C'est quoi ça? Des motards. C'est un groupe de motards, 99% si vous voulez. Les Walid? Les Wild? Ils sont où? Tu sais où ils sont installés maintenant, Cash? Non. Ok, bah merci pour les infos. C'est cool. Super, bon bah on va aller se faire foutre la balade. Vas-y les mecs, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée, monsieur. Super, moi je pense clairement ils voulaient pas nous aider. Tu penses? Pars! Tu penses? Allez go. Je pense que c'est des racistes, Roya. Je pense, hein, ils ont vu un arabe et un noir, ils ont dit oh là là la vache. Allô. Oh, t'es mignon. Ça va ou quoi? Ouais, ça va toi? Eh, j'ai la marchandise. Ah ouais? Ouais, vas-y, ça marche, à tes suites. Vas-y, à toutes. Si je te donne 10K là ce soir et tu me ramènes sa tête, c'est bon ou pas? Tobias ça? Ouais, je t'envoie une position. Mais Roya, mais je te le ramène gratuitement, t'es sérieux là? Teddy m'a demandé de lui trouver des menottes, Roya. Des menottes? Ouais. Ah, hein. J'en ai trouvé, du coup je vais les vendre. T'as trouvé des menottes? Mais dis dans même pas 5 minutes. Vas-y. Je t'en suis excité. Oh la vache! Et cavale vers leur auto. T'as de l'espoir où ils savent plus quitter. Ça c'est des vrais poteaux. Ils vont pas se gratter, ils vont pas se casser. Ça c'est des vrais couteaux. Et puis tous les amis sont pris, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis malade cet enfant. Oh vas-y, fonce dans les wagons, des badass. Ah bah voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon Mathieu. Reste professionnel. Alan. Bonsoir. Ouais. C'est Mathieu, c'est j'ai la marchandise. Ah ok. Allez, j'ai un Mathieu qui a la marchandise à l'entrée là. Oh. Attends mon frère, on arrive. Vas-y, je vais prendre une petite seconde d'attente. Ça marche. Tu sais pas que c'est lui la marchandise. T'as vu, je fais du beatbox. Vas-y, fais voir. Ouais, tu dis beatbox, c'est tout ce que tu fais. Ouais. Oui, bonsoir. C'est pourquoi? C'est pas. Mais c'est pas tête. Non, mais c'est. Appelle Cidji. C'est d'hier. Appelle Cidji, t'inquiète, appelle Cidji. Appelle Cidji, appelle Cidji, c'est mieux pour toi. Oh le boy, ça va ou quoi? Ça va et toi? Oh, tranquille. Bon, les frères, terminez, sortez du véhicule, s'il vous plaît là. Descendez. Ah, descendez, tranquille. Descendez, sortez, avancez à la raquette là. Et descends toi. Attends, Mathieu, descends toi. M'appelle Monsieur Patate. Patate. Je t'ai entendu ainsi de Dieu. Ah ouais, la guerre. Là ils partent à la guerre là. Ils vont faire quoi? Et ils vont fumer les familles. Voilà. Ah ouais. On veut du sang. Oh les arbres. Fais pas de la trappe. Faites-vous, on t'attrape. Ça peut être dans la cave. C'est ça. Ah non, Tobias, mets-toi au mur là. Comment ça? Juste en face de moi là. Comment ça?
Allez, 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 en face de moi. Touche pas Mathieu, tu vas rien faire. Allez, allez. Touche pas à mon pote. T'es sûr de toi là? Tu touches pas mon pote. T'es sûr? Mathieu, pourquoi ils veulent te taper? Non, mais je parle toi. Toi, mets-toi contre le mur. Ah bon, pourquoi? Ouais, mets-toi à poil là. Allez, allez, enlève tout. Comment ça? Allez, enlève tout là. Mathieu, c'est quoi ce téléphone et tout, toi, au cas où, tes armes et tout. Mathieu, c'est quoi ce qu'on lui donne là? Tu prends tous ces trucs aussi à lui. Hop là, voilà. Oh non! Tu sais pourquoi t'es là ou pas? Non. Tu sais pourquoi t'es là? Parce que vous m'avez fait une putain de transaction. T'es sûr de toi? Eh ouais. Réfléchis. On vient pas avec vous, avec ton pote, Mathieu. T'as fait hier. Ah, excusez-moi les refs. Pardon? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai fait quoi hier soir? Ouais. Alors déjà hier soir, ce que j'ai fait, c'est que... On a fait quoi, Mathieu, hier soir déjà? On s'est mariés, je crois. On s'est mariés. D'accord. Et après, c'est passé quoi? Après, j'ai reçu un coup de coton. Ouais, non. Après, attends, avant ça, t'as fait quoi? Après, j'ai couru. Avant ça, t'as fait quoi? Avec Tisha. C'est qui Tisha? Juste derrière moi. On a fait quoi? Ah oui, elle est tombée dans les pommes. Je vous déclare donc marié. Pouvez vous embrasser. Allez. Oh merde. Tu te fous de ma gueule? Après, j'ai appelé les médecins. Mathieu, tu peux me rappeler ce qu'il a fait? Bah, d'après les témoins qui étaient présents, il y a un coup de feu qui est parti. D'accord, de la part de qui? De Tobias. Ah. Reste là, reste là. La vie, tu bouges. Et il court trop vite. Ah bah, c'est un Congolais, hein. Mais il court trop vite, c'est Usain Bolt, là. Ah, regarde. La peur donne des ailes, hein. Et c'est comment? C'est ton pote? Ah ouais, c'est mon pote. Ah, et du coup, je la balance. Oh, rien à foutre. Non, mais c'est pour lui apprendre la vie. Ah, la vie. Ce qu'il est insolent, un peu. Ah, je vois, non, je vois. Perdu. Ah, vous l'avez perdu. Oh là là. T'es pas efficace. Oh, il est mort. Hey, Moi, est-ce que je peux te le mettre en pleine tête maintenant? Non. Attends, mets-toi là. Non, au moins, non. C'est gentil, en vrai, de vrai. Visez-le si jamais. Mathieu, ce que tu fais, c'est de la hagra. Bref, regarde-moi là. Regarde-moi. H-A-G-R, oui. Ok. T'en penses quoi de toute cette histoire là? Bah, c'est bon, vous m'avez rendu un coup de couteau, je suis allé toute la soirée à l'hôpital, vous avez niqué ma soirée et tout, donc c'est moi, je pense qu'on est quitte. Non, on n'est pas quitte. T'as envoyé un grand chez moi à l'hôpital, comme ça, au commissariat. Oui. On est bien d'accord. Je sais rien. Et tout ça à cause de toi. Non, je sais rien. C'est d'accord, vote à lui. C'est pas contre. Ça, comme ça, là, la prochaine fois que tu fais le malin, ce sera une balle dans la tête, c'est bon ou pas? Enfoiré. Oui, je pense que tu peux récupérer ton pote là. Regarde. Ouais, par contre, j'ai pas de pétard. Ouais. Là, on a le motif parfait pour créer la guerre, Roya, contre les balasses. T'es gentil, je t'aime bien. T'es un sacré killé. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui prends la commande. Eh, bonsoir, y'a pas de commande, c'est moi le patron. Ah, pardon, merde. Ça va, quoi? Bon, bah, ouais, ça va, et vous? Ah, ouais, carrément, c'est toi qui prends la commande. Ah, mais ça veut pas travailler ici, hein. Mais si, non, mais c'est justement, moi je suis employée, elle non. Comment ça, elle non? Bah, elle est employée, mais elle est employée genre en bas quoi. Yo, je suis apprenti. Voilà, elle est pas certifiée. Comment ça, certifiée carrément? Ouais. Ah ouais, Instagram, gars. Ouais, exactement. Bah, vas-y, fais-moi, bah, faites-moi tous les deux un menu burger pour voir ce qui est le meilleur. Nickel, allez, ok, alors ça tenait. Même pas ça demande de la sauce, même pas ça demande le soda. Vous désirez quelque chose en plus? Ah non, ça y est, c'est trop tard. Ce patron? Oui, mets les factures. Je vous ai mis un coca. Vas-y, nickel. Oh, vas-y, merci. Il y a du monde ou pas depuis tout à l'heure? Ah, carrément personne. Sérieux? Attends, vous avez c'est fait un cookie ou pas? Bon, on a fait un cookie. Ah, mais attends, c'est que vous avez marqué quoi dans le cookie? Le burger shot est ouvert. Mais non, faut que ce soit. Regarde, je vais te montrer un exemple. Vas-y, lis-moi par exemple le cookie que j'ai mis là. Burger shot ouvert, bord de. Fils de. Oula. un peu violent quand même. Commercial. Moi, je like. Non, mais j'ai like. Non, mais t'as pas fini. Bande de fils de pute, venez avec vos grosses darons, on vous attend. C'est... Ouais, après, c'est un peu menaçant quand même. Ouais, mais justement, c'est pour qu'ils viennent en mode qu'est-ce qu'il y a. Et après là, tu les amadoues, boum, un menu. Tu vois ce qu'il veut dire? Ouais, c'est une bonne technique, mais c'est bon, j'ai répondu à ton tweet. C'est quand même fait. Venez. Oh, bien, alors là, c'est bon là. Là, c'est la petite touche là. T'as dit quoi? On s'est fait quoi? Je pense aussi. Ah, le burger shot, un jour, il y a des gens, ils sont venus, ils ont tout cassé. Ouais, je sais, mais t'inquiète, je m'en suis. C'est des japonais. Ouais, tout à l'heure en plus, on m'a soulevé là. C'était des japonais aussi. Oh là là. Comment ça ils t'ont soulevé? Bah en fait j'étais avec un mec qui travaille ici là, Scorpio. Et on était avec le food truck. Et après je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit ouais, bougez de là, c'est toujours les mêmes, etc. Qui a dit ça? Scorpio. Et au final bah on s'est fait soulever quoi. Ils ont dit ouais, descendez de là. Par qui? Bah par les chinois. Attends, je vais les appeler. Préparez-moi un menu Kalash et un menu tank, j'arrive. Hein? Moshi. Ouais Akuma, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Ouais tranquille. Eh dis-moi, on m'a dit qu'il y a un camion à moi ici. Il s'est fait déglinguer par Tega. Et il y a un de mes employés, il s'est fait tabasser par Tega aussi. Hein? Ah ouais, dis-leur, demande-leur, un certain Scorpio ou je sais pas quoi. Ouais, t'es dispo ou pas? Ouais, je suis dispo là. T'es où? Au Burger Shot? Ouais, je suis au Burger Shot. Vas-y, j'arrive, je suis à côté. Vas-y, t'es suite. Vas-y, t'es eux là? Attends, je sais. Regarde bien. Y'avait la meuf, ouais.
Vas-y, ça marche. Le mec, non. Mais okay, ils sont okay. Pas. Le mec derrière, je sais pas, encore. Et le mec devant, il était là ? Avec la meuf, c'était sûr. Ok. Après, je sais pas. Yo, il s'est cru dans Barbie. Vas-y, rentrez. Oh yo, Mathieu. Vous êtes venu il y a une semaine, vous êtes toutes déglinguées. Là, vraiment, vous faites les mystérieux, là. Bah non, mais on attend d'être invité, tu sais. Peut-être qu'on est pas les bienvenus. Si, vas-y. Écoute, j'ai un de mes gars qui était présent et il m'a dit voilà, il va t'expliquer. C'était pas gratuit quoi. Vas-y. On est sur devant la fourrière tranquillement, on calcule personne, il y a 4 voies pour passer. Il s'arrête à côté de nous, il nous dit oh, toujours les mêmes, ils cassent les couilles. Voilà, tout simplement. Nous on n'est pas n'importe qui, donc obligé à manque de respect. Faut redresser, tout simplement. Avec notre histoire aussi, je tiens à rajouter. Attends, il y avait notre histoire aussi derrière encore. Mais je t'ai cru que t'étais pas Bosco Barto ou quoi. Excuse-moi, je vais y aller au salon. Deux secondes, j'arrive. Attends, t'as mangé un coup de pression là par. Non, c'est qu'il y a un mec de la restaurant, c'est j'arrive, bon. Non, aussi tout à l'heure, il a insulté un de chez nous plusieurs fois. J'essaye de savoir ce qui se passe, pourquoi il insulte, il ne me calcule pas. Du coup, je l'ai poussé gentiment et puis on est parti. On ne voulait pas perdre notre temps. Entre temps, ce qu'il a fait, il a appelé la police. Et il leur a expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé. Du coup, je voulais savoir la vérité. Et madame avec le bonnet pourra confirmer. On lui a posé des questions. Au début, il s'est foutu de notre gueule. J'ai dû vraiment insister. Et à la fin, il a lâché le morceau. Il a dit oui, c'est moi qui vous ai balancé à la police. Donc voilà, je lui ai dit de retirer sa plainte gentiment, que j'allais appeler la police. Et que si ce n'était pas fait, c'était pas des gruyères que j'allais en faire. Voilà. Mais du coup, pourquoi il a porté plainte? Parce que vous l'avez tramassé, c'est ça? Je l'ai poussé seulement ici. Il est susceptible. Écoute, je te fais un résumé. En bref, mes gars, ils calculent pas ton bresso. Tu vois, ils ont rien contre lui. Tu sais très bien pourquoi. Maintenant, le truc, c'est que si en face, c'est eux. Ils viennent larguer, ils viennent faire les malins, ils viennent chercher la merde. On répond à la merde, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Ah, comment, il y a moi que je te parle dans mon bureau. Vas-y, viens. Donc, le prends pas personnellement, c'est tes gars qui font n'importe quoi et puis voilà. Ouais, non, mais je voulais savoir parce que. Moi, ça aurait été méga, je te dis tout de suite, je leur ai tiré les oreilles, t'as vu. Ouais, je voulais te dire, arnaqueur, va. Quoi? Je t'ai passé combien, moi? De quoi? Pour déglinguer le restaurant des Italiens, là. Je sais pas, un petit 40 000. Voilà, 40 000. Eux, ils t'ont payé combien? En vérité, c'est pas moi qui me suis occupé de ça, pardon. J'étais pas là ce jour-là. Pas de chinois. J'ai failli, mais ça va, je me suis bien rattrapé. Non, mais en bref, j'étais pas là le jour où ils sont occupés de ton resto, donc je sais pas. Moi, tu m'avais annoncé 20K. Ouais, j'avais dit un chiffre comme ça, parce que moi, j'estime, c'est une estimation, t'as vu? Ah, d'accord. Toi, l'argent, t'en bats les couilles, toi, t'es un milliardaire, gars. Non, mais après, l'argent, c'est l'argent, tu vois. Excuse-moi, Tobias, tu es au Burger Shop, Froyant. Pourquoi, dis-moi? C'est quoi le problème? Faut que tu viennes. J'arrive, Froyant. Si tu me demandes combien ils m'ont payé, c'est que t'es au courant, ils ont payé combien? Bien sûr, ils t'ont payé 6 000. Même moi, je sais même pas. Non, mais tu te fais de ma gueule. Mais regarde, ils me l'ont dit. C'est de la merde 6 000. Moi, je bouge pas pour 6 000. Hein. Bah, ils ont payé tes gars 6 000. Les gars, revoyez leur négociation alors. Ils t'ont payé 6 000, moi je vous ai payé 40 000, wesh. T'as plus d'argent qu'une mafia, ça c'est bien ça. Mais, je suis une mafia, regarde. Retourne-toi. Faut que tu retournes. Je te jure, je te fais rien, wesh, t'inquiète. Ok. Ah, tu peux te retourner, regarde. La mafia marocaine. Ah ouais, regarde. Ouais. Bah écoute. Hein? On peut s'attendre à toi avec toi. Vraiment très très propre, ça te va bien. Ouais, merci, Roya. Sur mesure, hein, tu crois quoi? 600$ pièce. J'aurais dit plus cher, mais bon. Tu veux pas un costume, toi? Je connais un mec qui l'a fait sur mesure. Est-ce que c'est un costume japonais ou pas? Roya, il peut te trouver ce que tu veux, Roya. Bah vas-y, on négociera la prochaine fois. Attends, je te donne son numéro. Allez, gâteau. Et donc, tu m'as demandé. C'est la dernière fois que tu m'arnaques sur un truc comme ça. Hein. Mais je t'ai dit, j'étais même pas au courant du prix qu'ils avaient négocié pour nous. Moi, j'ai dit qu'on s'en fait un mille, tu vois. Et c'est toi qui m'as proposé le double, oublie pas. Bah oui, parce que tu m'avais 10K. 20K, tu m'avais dit. Ouais, mais moi je pensais qu'ils avaient payé minimum 10, voire plus. Bref, Akuma, moi ce que je dis, c'est que tes gars-là, ils te respectent pas si tu connais pas tout. Je vais pas te mentir, je me suis pas renseigné, tu vois. C'est juste qu'ils ont mal géré, tu vois. Ils ont mal négocié. Ouais. Après, tu sais, je leur fais confiance quand même pour pas mal de choses, c'est pas bien de tout savoir. Et en fait, j'ai une question à te poser, toi. Une seule. Putain, arrête de mettre des coups de pression. Ouais, une seule. Ouais, t'as cru, on était où dans un manga? Tu m'as costard marocain, t'as cru quoi? Un malade. Ils étaient au courant que t'allais défoncer leur resto ou comment ça se passe? Pourquoi? Réponds, t'as dit, mais t'étais présent, en quel moment il sera au courant? Oui ou non? Non. Ok, ça marche. Pourquoi il sera au courant? J'en sais rien. Sors toi. Bah frère. T'as bien vu, ils ont stressé, ils ont même pris photo. Ouais, ils ont stressé, frère, ils sont sortis normal, ils ont couru, ils ont pris en photo. Bah, ouais. Ils se sont mis sur le côté, oui, ils ont pris en photo et tout. Pourquoi ils prennent en photo? Et c'est quoi, ils font un album? Ils vont peut-être porter plainte. La si mafia? Ils des preuves. Qui porte plainte? Mais écoute. On est en 2021 et tout peut se passer. C'est chaud. Vas-y, ça marche. Vas-y, c'est ce que je voulais savoir. Ah oui, ça c'est chaud. Vous voulez manger quelque chose d'ailleurs? Vous voulez commander? Je me suis déjà servi, t'inquiète pas. Je vais me croquer. Est-ce que t'invites ou t'évites? Ah, Roya, je fais payer, moi. C'est plus facile. Bon. Bonne soirée. Vas-y, bonne soirée. À bientôt. À bientôt, on n'est pas potes. Te reverras. Ballerine, crémine. À très vite. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Eh, mais ce patron, ils sont grave bizarres. Hein. Yo, ils voulaient couper nos doigts. Quoi? Ils ont dit, ouais, est-ce que je peux te couper le doigt? Elle voulait te manger? Comment ça, elle voulait te manger?
Ouais, ouais, elle a dit trop. Elle voulait me croquer. Elle a dit quoi? Bonhomme, bonhomme qu'elle a dit, wesh. Elle voulait me croquer. Ouais, elle est chelou, elle. Ah non, elle a dit, ouais, est-ce que si je prends votre œil droit, que je le mets à la place de votre œil gauche, est-ce que vous verrez différemment? Des questions graves. Mais il a cru que c'était des puzzles humains ou quoi? Ouais, il a volé. Oui! T'es où? J'arrive, bagage shot. Vas-y, je suis au bagage shot. Il est au téléphone. Ah, nickel, j'arrive. Je vais vous présenter. Le pire élément du Burger Shot, il s'appelle Tobias. Et vous devez l'accueillir. Mais c'était l'accueillir. Pas le mec qui était là avec le date avec Hamid. Ouais, ouais. Bah, attends, c'était toi qui au casino. Yo, je peux te poser une question. Ouais, casino quand je suis tombé. Ouais. Ouais. C'est une viande sans viande ou un fish sans fish déjà le menu? Tu viens de quelle planète toi? Yo, la Terre. T'es différent de nous tous en vérité. Oh là, regarde, elle marche comme un épouvantail. Déjà, tiens-toi bien, wesh. Yo, mais je me tiens bien. Wesh, t'es un balai ou quoi dans le dos? Qu'est-ce qui se passe? Yo, non, le balai, c'est mes cheveux, on m'a dit toujours ça, moi. Mais non, vas-y, tiens-toi bien, regarde, redresse-toi. Ok, yo, je me redresse. Là, on dirait une petite vieille, là. Mais les bras, le long du corps, on dirait que t'as des biceps de 45 cm. Long du corps. Ah, là, voilà. Eh, tu viens souvent travailler ici ou pas? Yo, oui, souvent. Menteuse. Yo, je viens carrément menteuse. Tous les jours, et tous les heures. Attends, mais tu me dis quelque chose, toi, en vérité. Yo, mais c'est toi qui m'as embauché. Ah, et là, ta carte d'identité, vas-y. Ah oui, trop yeah. J'oublie ou quoi? Et tiens. Ah ouais, t'es jamais. Et depuis la première fois que je t'ai vu, t'es jamais revenu. Yo, c'est peut-être pas celle-là, attends. Il y a marqué quoi? Isaiah Carter. Yo, c'est peut-être pas celle-là. Kadi, t'appelles Kadi? Yo, ouais. Eh, Kadi, tu es autre. Tu es autre. Ça tu es différent de nous tous. Moi, je suis pas différente, je suis comme vous tous. J'ai un vagin comme elle. Et j'ai une future bite qui va pousser. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Yo, pardon. Comment ça, t'as une bite qui va pousser? Tu me fais un câlin? Ouais, fais-lui un câlin, s'il te plaît. J'ai rien à voir dans l'histoire. Kadji, bonhomme dans la vie, hein. Bonhomme. Yo, je suis un bonhomme. Bonhomme, mais sans ce qui va pousser, grave hein. Un bonhomme, mais loin, hein. Yo, je suis un bonhomme avec un... Mais attends, t'as quel âge, tu m'as dit? Yo, j'ai 32 ans. Quoi? T'as 32 ans, toi? Yo, 31, 32, yo, j'ai... À peu près. Yo, j'aime pas dire mon âge après. Claquette chaussette, c'est réglementaire, ça, Burger Shot? C'était... Parce qu'en fait, de base... Là, yo, en fait, je vais pas laisser mes claquettes parce qu'elle a mouillé ses chaussures. Non, pas quatre, pas besoin de mentir pour moi. Il y a un magasin juste là. Hein. Non, mais c'était ma tenue de chill à la base quand je suis arrivée comme ça, j'étais bien. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas juste mettre le t-shirt, quoi. On se met à l'aise. Toi, t'abuses, toi, tu... le jour de ton mariage, tu seras en pyjama, toi? Non. Zerbe pour être à l'aise. Il a une calvitie, on est d'accord. Qu'est-ce que tu racontes avec ma calvitie, toi? Tu veux que je te... Hein? Attends, yo, c'est parce que j'aime bien les calvities. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la meuf, derrière, là? Voilà, allez, hop. Ça, c'est réglé, là. Yo, non, je veux pas tu vas voir c'est quoi une calvitie, je vais te montrer c'est quoi une calvitie. Ton crâne il va être propre sa mère. Je suis désolée. Ouais, moi aussi t'inquiète, je suis désolée. Ouais. Je suis désolée. Moi aussi t'inquiète, je suis désolée. On parle pas mal de ma calvitie, d'accord? Attention. Pourquoi? Ah non. Oh mon dieu. Non. T'es belle comme ça. Oh mon dieu, je suis choquée. Tu veux la même chose toi? Oh merci, moi je vous respecte nickel. De ouf. Nickel, bah parfait, alors bah on se respecte alors. Ça va, que t'attires les clients. Non mais regarde, comme ça tu fais croire que t'as fait... Yo, j'ai le cancer. Bah voilà, mais justement, t'as pas le cancer, en fait, regarde, tu vas dans les rues, tu dis ouais, j'ai une grave maladie, attends, s'il te plaît, aidez-moi. J'appelle quelqu'un. Hein. Ah, je vais te présenter des meufs, regarde, dans le shot. Tout le temps, t'es sûr. Vas-y. Tu es avec des meufs là? Les meufs là, avec le bonnet, tu lui demanderas d'enlever son bonnet, d'accord? Et regarde, je mets une démarche imposante, tu me dis si c'est intéressant, si c'est cool. Tobias Well, pire employé de tout Burger Shot. Bonsoir, ça va ou quoi les filles? Oh, ouais, ça va et toi? Ça va? Ah oui? Oh, t'es vraiment très charmante. Enlève ton bonnet s'il te plaît. Oh, on m'a dit j'ai le coup de foudre. Le véhicule démarra. Oh! C'est grave ça. Oh, on est fait l'un pour l'autre. On dirait vraiment des. Est-ce que t'as déjà léché? Oh, c'est pas celui-là, pardon, merde. Oui. Ah. On dirait pas que un peu? Un peu. Ouais, y a un air, y a un air. Hein. C'est quoi ton prénom? C'est Kadi? Elle est perchée, hein. La vérité, elle est perchée. Hein. C'est Hala, ça. Elle a un vagin, elle va se faire pousser une bite, j'ai pas compris le délire. Stuff, voilà. Je te jure. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Mais c'est. Je te jure, elle a dit ça tout à l'heure. C'est quoi ça? Yo, j'ai pas dit ça, c'était. Je l'ai rasé parce qu'elle a mal parlé de ma calvitie, regarde. Yo, j'ai dit ta calvitie, elle était bien. Non, t'as dit, mais attends, mais c'est pas une calvitie qu'elle a ça? Alors là, on dit pas ça, ma fille. Non, mais ça a pas, non? Oh non, c'est vrai qu'il est pas ouf, mais oh la hagra. Oh la hagra. Oh! H-A-A-A-G-G-R-A-H. Hagra. Hagra. Ah, par contre, je l'ai pas trop. Allez. Oh non. On se réveille, allez. On se réveille, madame. Soulève-la. Il est plus l'air de dormir, là. Ah, voilà. Tu m'as dit, faut jamais trop jeter avec les meufs, elles-mêmes. Ouais, mais quand même, ce qu'il y en a là, je pense c'est bon. Allô? Oui. C'est Amblin? Oui. Ouais, on m'a passé ton numéro de téléphone? Oui. Je vais pas te mentir, hein. On m'a dit que t'étais une chaudasse. Et mais c'est vrai ou pas? Non. Ok, c'est Papy qui m'a dit ça, hein.
En gros, je lui dis que je veux faire des connaissances et tout. Il m'a dit, vas-y, je donne le numéro d'une meuf, c'est une chaudasse, je sais pas quoi. Ambline la coquine, il m'a dit. Ouais, ben, je crois qu'il s'est trompé, hein. Sérieux? Pourquoi vous faites quoi dans la vie, madame? C'est compliqué. Ah. Comment ça? Voilà. Bah, disons que là, tout de suite, maintenant, en plus, vous m'appelez au mauvais moment, donc je suis un petit peu occupée. Okay, je suis avec mon copain et avec des amis. Ok, bah bonne soirée alors, bon courage. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Attends, faites quoi dans la vie? C'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, en plus, je suis avec mon copain. Quel est le rapport? Tu peux te craser les cheveux aussi, comme ça, on fait un soutien aux cheveux. Bon, vas-y, si tu veux, vas-y, retourne-toi, je vais te mettre une perruque, c'est bon. C'est cadeau, c'est pour moi. Allez, merci. Et ferme ta gueule, wesh. Elle est malade ou quoi elle? Toi elle est malade. Eh hey, Tobias, j'ai un prisonnier. Voilà, c'est que mais pourquoi? Bah parce que elle voulait que je me rase les cheveux moi aussi. Ah bon? Par contre, vos styles, ça fait un style de Noël un peu genre. Non, ça fait style marocain. Mafia marocaine. Ah ok. La mafia marocaine congolaise un peu. Ça vous dit les filles, on va faire des courses vite fait? Ok, vas-y. On va faire des courses. Ouais, allez c'est parti. C'est bon Kevin. Vas-y go. Ça met très bien ce que ça veut dire. Hein. Vous avez fait les courses là pour vos copains, vos maris, vos darons et tout ou pas? Oh j'en ai pas. T'as pas de famille toi? Pas d'amis. Allo, salam alaikum. Alaikum salam, Riyad, ça va ou quoi, Roya? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, dis-moi, tu fais des cours de psychologie ou pas? Oui. Parce que là, j'ai... Voilà, j'ai un cobaye. Hein. Comment il s'appelle-t-il? Ah, elle s'appelle Kadi, Roya, elle est perchée, Roya, même les extraterrestres, Roya, ils ont peur. Vas-y, alors, c'est bon. Vas-y, on fait les courses et on passe à l'hôpital, c'est bon? Vas-y, de toute façon, vas-y, allez, ça m'arrête quand même, putain, Inch'Allah. Du coup, donnez la commande à Thomas ou il va commander directement? Il va aller directement, vous inquiétez pas. Vous voulez quoi? Prends l'ice tea. Ice tea, vas-y. Là, les chips et tout, ouais. Les chips, vas-y, chips, ouais, chips, vas-y. Ok. Et du coca. Prends des M&M's. Tu quoi? M&M's. Vraiment, moi, des M&M's. Bah, tu vas au magasin de Vinwood, parce que là, il manque des trucs, y'a pas de coca ni rien. Ah, ouais, ok, vas-y. Ah, ouais, pauvre nous, on peut chanter le Weshden. Vas-y, Weshden, vas-y, quoi? Apparemment, tu m'aimes. Bah. Wow, c'est pas Weshden, c'est mon frère, c'est. Attends, tu parles avec une A. Allez, ça. Mais moi, je m'appelle Weshden. Tu prends tes caleçons sales. Tu hors de ma vue. Je pensais pas que vous chantiez aussi bien en vérité. Ah, oh, merci. Putain, je suis surpris. Hein. Attendez, mais je vais appeler Mad Music, moi, directement, en vrai. Mais non. Vas-y, parce que. Bien sûr, wesh, on va faire une musique. Je vais pleurer. Mais non, arrête de pleurer. Toi, à chaque fois, tu chiales, wesh. C'est à cause de la beauté qui est à côté de moi, à ma droite. Quoi? Merci. T'étais pas au courant que t'es une beauté, on est d'accord? Moi, je l'ai appris maintenant. Yo, patron. Ah ouais. D'accord. Je peux avoir une augmentation? Augmentation de quoi? T'étais jamais venu travailler? Non, tu ramènes des sacs de coca? Ah, merci. Tiens derrière. Entre nous, ouais. Pas de chichou. Oh, ouais. Je lui mets une balle ou je lui mets pas de balle, lui? Mais le pauvre. Il est en train d'arroser mon véhicule. Ah, avec de l'essence. Une balle, c'est un peu violent quand même. Ouais, moi, je suis un mec violent, c'est pour ça. Ah non, j'allais dire le crâne, mais... C'est explosé maintenant, non? Je suis pas bizarre. Tu fais quoi avec ton bidon, Roya? Non, rien. T'es sûr? Non. Oui. Oh, hey, les filles, on vous laisse au barbechute, nous on va faire vite fait quelque chose et puis on revient, d'accord? On arrive vite fait. Ouais. Vas-y. Vite fait. On va se faire des tenues, Roya. Vas-y, des tenues. Jamais déjà. Ah, des tenues. Mais attends, Roya, t'as toujours une arme? Ah non, j'ai plié, du coup, je me suis fait arrêter par la police. Voilà, tu vois, on tient pas un braquage. Ouais, vas-y, c'est parti. Écoute ce que je dis, mais pas ce que je fais. Rends-toi, c'est pas ton âge. Roya, je chante bien ou pas? De fou? Ah ouais? Bien sûr, Roya. Pourquoi tu m'as? Mais voilà que je mens pas. J'annule. J'ai bien quoi, Roya? Ouais, est-ce que t'as bien ou quoi? Alors, résume-nous. Eh, Roya, braquage, on se fait tuer. Nul à chier. Ah ouais. Braquage, on se fait tuer. Roya, ma journée aujourd'hui, Venom, nul à chier. Manchester, il se prend 5-0, j'ai pleuré. Et par ah oui! Chauffe, regarde, Mathieu, regarde, Kefta. La mafia marocaine! Ah, t'étais sérieux dans le. Ah ouais, Roya! T'as vu? Ah, vas-y, tenue de braquage, on fait une tenue de braquage, les mecs. Ouais. Une tenue de braquage, ça? Bah, je sais pas. C'est... Ouais, elle est bien, non? Oh, astaghfirullah. Mais quoi? Mais elle est bien ou pas? Elle est pas bien. Tu veux faire bijouterie ou bien banque? Bah, non, banque. Banque, vas-y. Ça fait longtemps. Comment ça, ça fait longtemps? Ça fait longtemps, non? Ça fait 4 jours, Roya. Ça fait 4 jours, ouais. Ouais, c'est réel. Ouais, c'est réel. C'est réel. Bah, pousse-toi de là, la vie de ma mère! Pousse-toi de là! Quoi, les mecs? Pousse-toi de là, je te braque. Moi, il me braque quoi? Il y en a un qui est... Moi, je suis gentil, l'autre, il est énervé. Non, les gars, on est gentil. Les gars, ça va ou quoi? Ça va. Et l'autre, il agresse Mesquine. Ouais, ça va quoi, les gars? Les otages, on a besoin d'otages, regarde. Ah, j'avoue. Tu veux les prendre? Ah, j'avoue, ouais. Vas-y. Eh, les gars, désolé. Excusez-nous, les mecs. Aïe. Ça descend. Hop là, par là, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Ça part de là. Lève les bras de la tête. Ouais, tu vas aller derrière. Voilà.
Pop, t'essayes d'aller où? T'essayes d'aller où, toi? Allez, rentre. Allez, c'est bon. Arrête de rigoler, toi, derrière. Tu rigoles de notre professionnalisme ou je rêve? Tout est calculé, les mecs, ne t'inquiétez pas. Vous êtes des professionnels. Je crois que c'est de l'asthme. Ouais, du feu derrière. Attends, pourquoi ça crame là? Ah, ça crame. Ouais, bah ça, c'est ton problème, ça. Mais pourquoi ça crame? Je sais pas pourquoi ça crame, moi, je sais pas, moi. Ouais, on va exploser. Je sais pas, moi. Tu es clairement pas rassuré. Il y avait un briquet dans le cul du mec ou quoi, là? Vas-y, faut qu'on aille prendre un dernier otage. Ah ouais, il a de la chance. Oh, il a de la chance. Oh, le lui, il a moins de chance. Oh là là. Eh, monte ou je t'allume, dépêche-toi. Ah, Dépêche, monte! Dépêche et monte dans ce putain de véhicule! Soulève-le! Putain de véhicule, on se fume! Allez, c'est parti! Voilà! Voilà! Attends, viens, on fait comme les bandits en 2017. Eh, hey, tu dis à ton pote derrière que s'il continue de nous suivre, t'es mort, regarde, t'as compris? Ouais, jetez vos radios, vos armes, vos trucs là. Il nous suit, hein! Il nous suit! Il va vite comprendre! Ouais! Yo! Tu m'entends? Pourquoi vous me braquez? Il y a un de vos gars à l'intérieur, les gars. Ça sert à rien, les mecs. Vas-y. Moi, c'est M. Ça sert à rien, les mecs, on a un de vos gars en otage. Donc, je sais pas ce que vous faites là. Comment ça, vous braquez des gars à l'intérieur? Ah ouais, enfin, on braque les gars, il y a les flics, hein! Comment ça, pourquoi? On se taille, allez, viens, go, on bouge, allez, y'a les cops, on bouge, allez, vite, allez, top. Monsieur. Oui, bonsoir. Ici, t'as un braquage du banque. On a 3 otages. Très bien. Et bon, on a pas vraiment de revendication. On veut juste être tranquille. On vous laisse les otages et puis on repart tranquillement, quoi. D'accord. Quand vous dites on, vous êtes plusieurs, j'imagine. Oui, on est 3. Vous êtes 3? D'accord. 3 et 3 otages. Ouais. Et vous voulez quoi, les petits violets, là, tout à l'heure? Ah, parce qu'on a pris un de leurs gars. Ah, d'accord. Mais ils sont pas contents, du coup. Ouais, moi, j'adore les risques. D'accord. Du coup, ils sont partis parce que je leur ai fait peur. Faites pas attendre à la sortie là-bas. Moi. Ouf, je m'en fous. Ça me regarde pas. Hein. Oh, je m'en bats les steaks. Hein. J'adore les risques. Bon, vous venez, les mecs, venez. Ouais. Putain, mais je travaille avec des NPC, c'est pas possible. Go. Pourquoi vous êtes dans la banque? Regarde, tu poses trop de questions. On continue, t'inquiète, on sait ce qu'on fait. T'inquiète. On fait un blind test. On est des professionnels, Roya, t'inquiète pas. On finit de quoi? Attention, Mathilde, vous tirez devant. Roya, là, t'es en train de braquer. T'es déjà sur le plan. On prépare un autre plan. T'inquiète. Ouais, les murs ont les oreilles, les poissons. Ah, c'est la rapidité, je crois, ou je sais pas quoi là. Raison, voilà, t'as une jeu goulard. Bien sûr, ça fait plaisir. Oh, la rapidité comme une bombe. Ah, y a une libellule. Oui, bah ça c'est. Non, mais tu bombardes plus que la rapidité, je pense. Ça dépend, dans les virages. Ah, mais après, ça veut rien dire, il la met pas vraiment à l'amende, t'as vu. Et t'allais faire, Mathieu? Non, regarde. Celle de tout derrière, il la met à la main, mais pas celle-là. Elle est trop belle par contre, la jugular comme ça. Mais en black là. Ils ont pris le shot sur, quoi. Bah c'est normal. Ils sont chauds. T'as que ça améliore, du coup. Ouais, mais elles sont devenues bien quand même. Mais ça fait plaisir en vrai. Tu rappelles pas, quoi, le nombre de rounds qu'on faisait? Ah ouais, je m'en souviens. Waouh. Oh la vache. Waouh. Ça c'est un film d'action. Parle pas d'Alba, hein. Voilà. Ils sont quand même trop forts, la ville. Oh, elle a glissé, Royan. Elle a pas glissé, il y a eu un truc très bizarre, Royan. Moi, j'ai vu autre chose, Royan. T'as vu quoi? J'ai vu un truc vraiment bizarre. C'est bon, on y cuit. Quoi? C'est bon, on sort. On va prendre doucement, vous devez sortir de véhicule, les mains à l'évidence. C'est quoi le plan, vite? C'est quoi le plan? Je stresse. C'est bon, on se rend. Voilà. Voilà. C'est vos armes, passagers. Ainsi que ceux qui sont derrière également. Je sais pas comment elle a fait là. Oui, éventuellement. Main derrière la tête, bras croisés, s'il vous plaît. Les quoi? Les pieds en l'air, les mains derrière la tête? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Comment on fait? Les pieds en l'air. Voilà. Y'a plus personne dans le véhicule? On s'est fait avoir, comme des ours. Attendez. Dans une note. Reste dans le véhicule. Également. J'open le coffre. 0,5. 3, 2, 1, c'est good. Bon, ça va, monsieur? Alors, on a pris des otages, on a fait des bêtises? Ouais, la vie d'artiste, quoi. J'adore les risques. Ah ouais. Ah, je vois ça. Déchète mon char.
Eh, n'oubliez pas que je vous ai sauvé la vie à côté de la plante. Hein. C'est vrai, mais je vais en prendre compte, je vous inquiétez pas. C'est gentil. Eh, monsieur Renez. Oui. Le jour de votre anniversaire, vous faites arrêter. Non, non, juste c'était avant. C'était hier. Juste avant, quelques minutes près, regarde. Quelques minutes. Bon anniversaire, monsieur Renez. Bonne garde. J'ai pas eu de cadeau, fais-moi sortir. Ouais, le cadeau, vous allez voir, vous allez voir un interrogateur. Oh, vas-y, bismillah. Attends, c'est quand son anniversaire? Aujourd'hui ou hier? C'était le 24, c'est le 25. Riggs, je connaissais pas, wesh. Tu fais pas partie de quoi? J'ai confondu. Le plus grand voyou, ça va ou quoi? Comment ça, je suis un voyou, moi? Non, moi. Il a dit le plus grand voyou. Ça raconte quoi? Est-ce qu'il parle? J'ai passé un interrogatoire. Eh, je suis trop hemi. Avec tout le respect que j'ai pour vous, sur Internet, vous êtes pas le plus grand voyou. C'est qui le plus grand? Peut-être pas en taille, mais au niveau du casier, c'est pas mal en vrai. Attendez, je vérifie ça. C'est Hamid Raven, non? Oui, c'est Hamid Raven. Je pense que c'est Tobias, hein. Tobias? Non, Hamid. Non, c'est Hamid. Non, non. Monsieur Ranez, vous êtes un Hamid Raven, 196 arrestations en vrai. Allez Ranez, je vous ai rapporté des vêtements, mettez au moins quelque chose et venez dans cet interrogatoire. Vas-y, ça marche, merci. Je vais passer. Regarde la culotte, regarde la culotte. Oh. Voilà, installez-vous, monsieur Ranez. Bon allez, monsieur Ranez, on est le 25 octobre 2021, il est actuellement minuit 12. On va débuter l'interrogatoire. Est-ce que vous souhaitez un avocat? Non, j'en connais pas. On peut vous en procurer un de commis d'office. Ça dépend, quels sont les faits qui me sont reprochés là? Alors, pour les faits qui vont se reprocher, de sûr, on a la flicca. Et pour les faits de prise d'otage, c'est de ça qu'on va discuter actuellement, d'accord? D'accord. Enfin, est-ce que vous assumez les faits pour, flicca? Oui. Ok, super, parce que moi j'étais pas là. Pour les faits de prise d'otage, racontez-moi un peu ce qui s'est passé. Sur la personne de madame Tisha Shelton. Hein? Vous connaissez une certaine madame qui s'appelle Tisha Shelton? Ah, c'est par rapport à hier dans l'église? Une balasse, oui. Ah non, moi je l'ai pas pris en otage, moi. Moi, c'est Tobias qui l'a fait monter dans mon véhicule, moi j'ai rien pris en otage. Ok, racontez-moi un peu ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, on était au niveau du Beniz, d'accord? Ouais. Juste avant d'y arriver, Tobias appelle Tisha pour lui proposer un date. Elle lui dit calmement qu'elle est en train de travailler au Beniz et que s'il voulait, il pouvait passer. Donc, on y va de ce pas. Et puis, Tobias réengage la conversation avec elle en lui demandant de la suivre pour faire un date. Elle lui répond non, je sais pas. Donc, du coup, il sort une arme et il la braque. Il dit maintenant, tu montes. Et du coup, elle est montée dans mon véhicule. Ensuite, on l'a emmenée à l'église pour les féliciter, quoi, pour concrétiser un petit peu le mariage. Mmh. Et puis voilà, quoi, ils sont mariés. Ok. Et madame Tisha, vous pensez qu'elle était d'accord avec tout ce qui s'est passé? Franchement, elle a pas dit non. Enfin, je pense qu'elle s'est sentie un peu obligée de dire oui, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, en vérité. Après, c'est une meuf un peu timide, donc les meufs timides, on sait jamais si c'est oui, si c'est non, c'est un peu bizarre. Alors, deux petites secondes, monsieur Renan. Bien sûr, elle est... Qu'est-ce que vous faites torse nu? Vous voulez pas mettre un t-shirt? Oh, j'ai chaud, regarde, laisse tomber. Voilà, je suis comme un clochard, là, dans le commissariat. Vous pensez que je vais aller au Habs ou pas? Oh putain, je suis beau gosse, là. Bon, la procureure va arriver, monsieur Renan, d'accord? Ça marche, merci. Je pense que nous allons faire une confrontation entre vous et monsieur Well. Ouais, ça marche. Je suis d'accord, je suis pour. Pour vous, c'est qui la tête pensante? Qui c'est qui s'est dit ce soir on va faire une flicca? C'est moi. C'est vous la tête pensante? Ouais, c'est moi, ouais. D'accord. Pourquoi vous avez dit le contraire à mon collègue? Mais non, votre collègue il m'a parlé d'une prise d'otage au Beniz hier. Oui, ça c'est autre chose, effectivement. Mais pour la flicca de soir, c'est vous qui... Ah oui, bien sûr, okay. C'est moi. Monsieur Wayne nous l'a dit, c'est pour ça que je voulais. Oh le bâtard, il a poucave. Ah oui. Oh le bâtard. Bon, la procureure va arriver, vous manquez de rien, c'est bon? Non, parfait, non. Ok, ça marche. Espèce de chien de la mais classe. Mais qu'est-ce que vous tu faites toi? Tu poucaves toi? Non, c'est là. C'est toi, tu m'as poucave. Voilà, tu m'as poucave. Attendez. Tu m'as poucave. Dehors, Tobias. T'as dit que j'étais le Audi alors que c'est pas le Audi. Toi-même, ben. Allez, dehors les petits chats là. Vite. Je suis ouf, moi. Oui, allez. Heureusement, Benmar qui me retient. Je suis ouf, moi. Oui, Mbappé, allez, en cellule. Peut-être une cigarette, un truc à boire en attendant. T'aurais pas un joint, s'il te plaît, Royan? J'ai une cigarette ou un burger. Vas-y, une cigarette, moi, je veux bien. Une cigarette? Ouais, s'il te plaît, ouais. Ouais, c'est qui cette meuf, wesh? C'est madame la procureure. Ah! Ça commence bien. Voilà. Tu Canez, c'est ça du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, la tête pensante. Oh, j'ai les meufs. Bon, monsieur Alain, j'ai juste une petite question, moi, rapidement. Bien sûr. Ah bah, monsieur Casta, là, il a 67... monsieur Tobias, vous savez qu'il a 67 ans. Ouais. Est-ce que cette personne, elle est, on va dire, stable psychologiquement ou il faut la mettre sous tutelle? Sous tutelle, même sur Twitter. Sur Twitter, sous tutelle, d'accord. Merci. Ah, je vous en prie. Vous noterez dans le casier 42 hein, que Tobias il est peut-être un peu trop vieux, il va falloir qu'il aille à la maison de retraite. Hein. Mais on y songeait justement parce que bout d'un moment, il est plus vieux. Ouais, bon courage, monsieur. Cool, madame procureure, du coup, ce monsieur ainsi que son complice ont été arrêtés pour la flicca ainsi que du coup la prise d'otage pour le fait sur lequel ils étaient recherchés. Vous me racontez ce qui s'est passé un petit peu, monsieur Renez? Aujourd'hui ou hier? Très bien.
Bah non, mais ça dépend parce qu'il y a deux dossiers. Il y a la flicca et puis il y a la prise d'otage d'hier. Deux événements différents. Bah oui. Oui, là, ils ont fait arrêter pour la flicca. Là, on parle de quoi là ? Ils étaient recherchés de base pour la prise d'otage, mais vu qu'on les a attrapés pour la flicca ce soir, là, du coup, c'est pour les deux. D'accord, je croyais que c'était une prise d'otage pendant la flicca. Bah très bien, on va commencer par la prise d'otage du coup. Prise d'otage d'hier, Robinis alors ? Après, c'est vrai que en soi, un mariage, c'est un petit peu une prise d'otage, quoi. Ça, c'est vrai, c'est une métaphore, ça. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. D'accord pour se marier ? Bah, elle a pas dit non, en tout cas. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport vous avez à ça. Juste suivi, en fait. Bah, oui, moi, je les ai emmenés au date, quoi. Ils ont voulu faire les choses bien dans le halal, donc je les ai emmenés à l'église, quoi, tout simplement. Après, c'est vrai que elle a pas forcément dit oui, et c'était un petit. Ok. Tu vois ? Voilà, exactement. Après, de loin, effectivement, moi, je pensais qu'il lui faisait un câlin. Et après, et c'est qu'après que j'ei entendu le tir partir quoi. Pouah ! Et là j'ai compris. Là j'ai paniqué là. Là j'ai eu peur. Vous êtes complice d'une tentative de meurtre. Mais je suis pas complice. Je suis complice malgré moi en fait. Moi je savais pas qu'il allait tirer moi. Je savais pas qu'il voulait la prendre en otage. Moi je pensais que c'était un vrai mariage dans les règles de l'art. Je savais pas qu'il possédait l'arme. Non, je savais pas par contre ça. D'accord. Bah, je suis pas censé savoir ce qu'il a dans les poches quand même madame. Du coup vous avez kidnappé une femme qu'on a forcé à marier à Monsieur Well, c'est ça ? Mais je l'ai pas kidnappé, j'étais dans la voiture moi. Je l'ai pas braqué, moi j'ai rien fait du tout. Je les ai emmenés à l'église, c'est tout. Je pourrais juste vous voir deux secondes, madame la procureure, s'il vous plaît. Et moi, je nique la police, moi, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, moi, je suis un putain de thug, moi. Eh ouais, mange mon doigt. Okay. Oui. Venez avec moi, vite. Je vais vous demander de pas parler et de chuchoter, ok ? Bah, je parle ou chuchote alors ? Ou non, pas du tout parler parce qu'il va vous entendre, venez. Bon, j'ai pas trouvé mon collègue, mais je dois y aller, j'ai une intervention. Continuez à parler bien fort parce que je vais rester derrière la baie vitrée deux petites secondes vu que je dois remplir un rapport et puis j'arrive, ok. Alors je vous explique, donc hier j'étais directement, on se baladait avec Mati Renez, on avait rien à faire. Et donc ce qu'on a fait directement c'est qu'on est parti au Belize, il m'a dit, je vous jure hein, il a dit, hé Tobias tu vois la meuf là-bas, vas-y viens la prends, on l'amène à l'église. Oh le bâtard. Faut qu'on la marie. Du coup hop, forcément lui c'est un peu le chef, donc c'est moi qui fais ça la boulot. Et donc c'est moi qui ai pris l'arme mais. Et bon, je l'ai pas visé, j'ai juste pris une arme. Et d'ailleurs, que vous m'avez confisqué, j'ai payé l'amende et j'ai fait ma peine de prison pour ça. Mais bon, voilà, je regrette quand même d'avoir fait ça. Et donc, on l'a emmené directement à l'église. Une fois là-bas, je ne sais pas pourquoi, ça fait exprès, je crois que Mathieu l'a tiré dessus. Et voilà. D'accord, donc c'est à l'initiative de Monsieur Ranez. C'est ça, mais c'est vraiment la fausse histoire. Si vous ne croyez pas, tant pis, et puis ce serait comme ça. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire, Monsieur Ranez, par rapport à ça ? Bah, il assume pas, tout simplement, c'est tout. Hein. Ok, là c'est votre parole contre la sienne. Bah bien. Mais de toute façon, il y avait les employés du Belize aussi qui étaient présents pour confirmer. Oui, mais pas à l'église. Ah non, pas à l'église. Ouais. Non. Bah, il y a Tisha à l'église, elle vous le dira, elle. On va faire une confrontation avec Monsieur Well et puis on verra bien, d'accord ? Ouais, hey, qu'on arrive pas à se mettre. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Ça va, Mathieu ? Je suis remonté. Ça va, Oji ? Et vous asseoir à côté de lui si vous voulez. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, étant donné qu'on n'arrive pas à avoir une seule et même version, on va faire une confrontation avec tous les deux, savoir la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est passé et qui est le responsable de ça. C'est quoi ta version, toi ? Vas-y, c'est quoi ta version ? Alors, ma version, c'est qu'on n'avait rien à faire de la soirée. Regarde-moi bien dans les yeux quand tu dis ça. Je te regarde bien dans les yeux, tu n'avais rien faire. Donc alors, on était directement au Belize, au Quai Mathieu. Tu m'entends bien quand je te parle ? Écoute-moi bien dans l'oreille, la chétana. On était au Belize. Ensuite, tu m'as dit, tu vois la meuf Tobias ? Parc là, on va l'emmener quelque part. Et donc, sorti mon flingue, je l'ai pas braqué, mais vas-y, je lui ai dit, viens, monte. Elle est montée. Comment ça, tu l'as pas braqué ? Et c'est toi qui m'as dit. En plus, c'est toi qui m'as dit, what to best, braque là parce que t'es mon Audi. Ensuite, on a emmené à l'église. Et donc, tu l'as braqué, il faut savoir. J'ai pris mon arme et je lui ai dit, monter sans la braquer. Elle a vu qu'il y avait une arme. Voilà. Et ça, les employés du Belize, ils peuvent en témoigner. Hein. Ouais, ils l'ont témoigné. D'accord. Non, est-ce qu'ils peuvent ? Ils peuvent en témoigner. D'accord, ok. Parce qu'il y a des caméras. D'accord. Ensuite, quand on est arrivé directement à l'église, et ben là-bas, on a fait le truc exactement pour le mariage, ouais. Et après tu l'as tiré dessus sans faire exprès. Ok, moi juste une question. Oui. Vas-y, dis wallah. Oh la carte piège. Voilà, c'est vrai. Non. Non, vous avez dit voilà. Non, il faut dire wallah que c'est vrai. Là un peu. Voilà, vous voyez bien. Oui, voilà. ça commence à parler chinois, ça parle chinois. Et ouais, et toi, c'est quoi ton truc, Mathieu ? Eh, Tobias, c'est toi. De toute façon, ils vont ramener Tisha. Elle sait très bien que c'est toi. Écoute-moi bien dans l'oreille. Écoute, mais attends, laisse-moi parler. Elle sait très bien que c'est toi qui lui a tiré dessus sur elle. Elle sait rien de tout. Mais comment ça, elle sait rien ? Elle sait pas, quoi. Attendez, je peux vous dire un truc ? Il s'est même pris un coup de hache des balaches et un coup de couteau parce que justement, oui. Tisha a expliqué qu'il lui avait tiré dessus. Donc. Non, c'est pas vrai, elle s'était pris une balle à ce moment-là, c'est faux ce que tu dis. Mais non, mais aujourd'hui, croyant. Non, c'est faux. Mais tu t'es pas pris un coup de couteau tout à l'heure chez les balaches ? Oui, c'est vrai. Ah voilà. Oui, mais c'est faux ce que tu dis par rapport à la balle. Elle s'est pas souvenue de ça. Mais croyant, mais t'es fou ou quoi ? Mais comment ils ont su alors ? Bah non. Là, Ben Barak qui vient de l'appeler, elle a dit qu'elle s'est pas souvenue. Mais non, Ben Barak. C'est vrai ou pas Ben Barak ? Ouais. C'est vrai, c'est ouais, pas mais... Eh ouais. Oui, mais... Pas d'aimer. On va confirmer autre chose.
Ah. T'as confirmé quoi ? Elle m'a confirmé, bien effectivement, que Monsieur Hanez, vous aviez une arme sur vous. Eh ouais. Et quoi que Monsieur Well, vous lui avez tiré dessus. Ah voilà, mais attendez, mais par contre... Non, c'est faux. Par contre, Ben Barek, elle a jamais pu savoir que j'ai une arme sur moi, vu que je n'ai jamais sorti d'arme. Moi, elle m'a confirmé que vous aviez une arme sur vous. Ah, vraiment pas. Ah, c'est elle la pétasse dans l'histoire. Mais est-ce qu'elle peut confirmer alors que j'ai jamais sorti d'arme ? C'est elle la... bizarre. En fait, c'est après, elle la méchante dans l'histoire. Elle m'a dit que ses souvenirs étaient flous, donc ouais, on va pas trop se baser sur ça. On va plutôt se baser sur ce que vous dites tous les deux. D'accord. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai pas tiré dessus. Voilà. Tu mens. Vas-y, dis Wallah que c'est moi qui ai tiré dessus, vas-y. Non, ça, on n'a pas le droit de dire ça. Ah. On n'a pas le droit, croyez le jugement dernier. Hein. Justement. Je t'en ai. De toute façon, moi, je vous dis la vérité, que vous me croyez ou pas, c'est votre problème. Hein. Mais moi, j'ai même la photo hein, de Tisha qui baigne dans son sang juste après le coup de feu hein, tiré par Tobias Well. Hein. Ah oui, donc cet assassin prend en photo ses victimes. Hein. Il prend en photo ses victimes, madame. Bah non, parce qu'on voit ton pied juste à côté, Khouya. En fait, tu viens de la lâcher. Et alors, c'est qui le photographe ? Bah, c'est moi, justement. C'est pour une preuve, c'était pour tu les balas. Tu prends en photo des cadavres ? Bah, c'était pour les balas, Khouya. C'est pour ça qu'ils t'ont mis un coup de couteau. Oui, et alors ? C'est quoi le rapport ? Bah, c'est toi qui l'as tiré dessus. Bah, ça ne prouve aucunement que j'ai tiré dessus. Hein. Bah, un petit peu quand même, Khouya. On voit que tu es à côté d'elle. Ah non, et alors ? Toi aussi, t'es à côté. Qu'est-ce que tu fais à côté d'elle, Khouya ? Et toi, qu'est-ce que tu faisais à côté ? Juste, moi, c'était pour la photo, Khouya. Ouais, c'est pas la photo. Ouais. Mais t'es d'accord avec moi aussi. Ça va, vous parlez là, vous deux. Eh, tais-toi, toi. Tu veux quoi, toi ? Vas-y, je pardon t'es... Eh, t'es qui, toi, en fait ? Vas-y, ta gueule, je parle à Tobias, wesh, c'est bon. Ouais, c'est une folle, celle-là. Oh, vas-y, Tobias, d'accord. Je te raconte, toi. Dans ce cas-là, on va boucler cette affaire, donc du coup... Bah, toi, boucle-la, déjà, wesh. Tu crois que je vais boucler mon pote ? Wesh, t'es malade, toi, quoi ? Vas-y, c'est quoi ? C'est moi qui ai tiré, c'est moi, j'ai tiré, vas-y. Voilà, elle a tiré, tu vas faire quoi ? Mais non, mais t'es pas moi, connard. Moi aussi, j'ai tiré, on a tiré tous les deux. On a tiré en même temps. Ouais, tu vas faire quoi ? Bah voilà, dans ce cas, vous mettez tous les deux une agression sur citoyen. Et bah voilà, c'est parfait. Voilà, mon frère. Outrage à agent et outrage à... Ouais, bah mais outrage. Mais. Tu as mis outrage là, quand je peux t'insulter maintenant. un peu de calme, s'il vous plaît, d'accord ? Eh, je te... Là, vous êtes emportés tous les deux pour rien. Je te pète des si. Tu vois, je vais vous demander de retenir vos gars, sinon vous allez voir ce que je vais vous faire. Hein. Ouf, mais allez, j'ai chié un oiseau. Allez, lâche encore un peu, tu vas voir. C'est bon. Voilà. 74, surveille les deux. Gaffe qu'ils se battent pas ou qu'ils essayent pas de faire quelque chose. Je crois que je vais taper mon pote ou quoi ? T'es un ouf. Moi, je suis ouf dans ma tête. Je suis ouf. On va du cinéma devant vous, c'est tout. Hein. Je suis ouf dans ma tête, moi. T'en bats les couilles, nous. Les malades, ouais, t'es mal cousin d'Apou, wesh. Tu vas faire quoi ? Tire, c'est un bonhomme. Tire. Tire, vas-y. Tire. Voilà. Tu vas faire quoi ? Vas-y, tape. On va te hacker. Vas-y. Tape. Je rigole, t'es un bon. Hein. Un bon petit toutou. Oh, j'aurais pas aimé. Non, ça, là, c'est. J'aurais pas aimé à Pou. Hein. Oh. Bah, on rigole. Oh, on peut rigoler, on peut déconner un petit peu. Merde. Avec ta perruque, on sait que t'es chauve. Hein. Moi, mon surnom, c'est Pac-Pac. Jure ? Pac-Pac. Mais incroyable, mais c'est pour ça que je t'avais appelé à Pou. C'est très cliché, hein. Ah, mais moi, je fais des choses légales comparé à vous. Ouais, ça dépend, incroyable. Ta coiffure, il est pas légal, hein. Oh. À peau de la caille. Messieurs, alors il y a deux choix qui s'offrent à vous. Oui, monsieur Melbourne, oui. C'est ou soit je vous amende tout de suite pour ça, et puis je vous laisse partir. Oui. Soit je vous mets un peu moins d'amende et vous allez faire des TIG. C'est combien ? Combien TIG ? L'amende. Alors sur l'amende, si vous allez faire deux TIG, vous prenez 7 000 $. Oui, aïe, aïe. Chacun. Si vous voulez pas faire de TIG, vous prenez 12 500. Aïe. Et c'est combien de TIG ? Je paye de TIG. Il paye pour moi aussi, s'il vous plaît. Non, ça va pas être possible. À la limite, il vous remboursera plus tard. Mais... Ah oui, non, il me paye pour moi, si vous voulez. Quoi ? Vas-y. Bon, alors là, j'avais de la vie. Oh, c'est chaud quand même, voilà. 12 000. On aurait dû l'amour. Voilà. Eh, madame ! Oui, mais ça va te... Vas-y, je sais que t'aimes les bad boys et tout. C'est quoi ton numéro de téléphone ? Ah, ouah, la vache, 12 000. Comme ça, non. Peux-tu en rêver ? Quoi ? Ben Barek, pourquoi tu manges du porc ? C'est quoi ton nom ? Juste ton nom. Amity Amber. Ça. Amity Amber ? Amity. Amity. Je vais te retirer. Imagine, il y a un mec qui arrive, $200. Oui, cash. Tout à fait. Tu manges un halouf. Tu sais que tu kiffes les bad boys. Mais $200, non. Bien évidemment. J'ai arrêté la musique, je te paye quand même. Mathieu. Oui ? Imagine un mec qui arrive, il te donne $300 et hop, il te dit mange-moi cette tranche de jambon parallèle de ouf. Oh vas-y, madame, bien sûr je la mange. Voilà, bonhomme, bah oui. Demain, je suis à Fleury. Vas-y, bonne continuation. Vas-y, Khoya, vas-y, on se capte. Oui, salut. T'es un fer. On bien sorti, Khoya, en vrai. En vrai, chill, hein. Chill. J'ai combien, hein. Toi, par contre, t'es une sacrée salope, hein. Eh, c'est toi, la tête de Wam. T'es la plus grosse Metado Santos. Khoya, attends, mais. Oh, tu vas pas tuer devant, wesh. Wesh, mais t'es ouf, toi. Wesh. Voilà, montre-leur. Putain. Dégage, toi. Voilà. Aïe. Grosse patate. Khoya, tu crois que t'es pas entendu derrière. Comment c'est ? La vie de Satan ou quoi ?
Comme quoi, Zerma? Comme quoi, quoi? Ah, c'est lui, hein, c'est lui qui a tapé, c'est lui qui a tapé. Hein. C'est lui. Vous avez un problème Non, je m'excuse, excusez-moi, non, je voulais taper mon collègue. Désolé, pardon. Excusez-nous. Vous voulez quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Eh, la tête, John, tu ressembles à un cousin à moi, oublie, il s'appelle Marwan. Quoi? Quoi? On ne comprend pas. Ah, non! Oh non, là, mais non! Voilà! Il ressemble à Marwan. Prépare-toi à courir, Roya. Voilà, je suis chaud, Roya. T'es chaud ou pas? C'est bon, mais c'est gratuit, monsieur, c'est coiffure gratuite. Monsieur, okay. aidez-moi. Coiffure gratuite. Aidez-moi, mais non, mais il a demandé une coiffure, Ah, bah arrêtez-le. C'est parce que ici, là. Bah il a demandé une coiffure, je suis un coiffeur de rue, moi. Voilà, c'est parfait. Par contre, monsieur, je vais quand même... La vie de ma mère attend, lui, hein. La vie de ma mère, je vais casser le cul. Qui? Qu'est-ce qu'il fait? Viens là, toi. Tobias, il fait quoi? Viens là, il prend photo. Pourquoi vous me tasez moi, wesh? Viens là, toi. Parce que tu prends photo. Non, y'a vraiment rien, regardez. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, Mathieu. Cours. La grâce, t'as pas. Tu suis qui, toi?